fatigué, mais bon, je vais juste vous poser peut-être une dernière question. Une rencontre est prévue demain entre l'opposition guinéenne et l'opposition ghanéenne, on apprend. Qu'est-ce qui est prévu? Écoutez, nous avons été honorés de recevoir une délégation de l'opposition du Ghana. Vous savez qu'entre le Ghana et la Guinée, il y a des relations fortes, anciennes, qui étaient si fortes qu'on avait créé l'Union Ghana-Guinée, Ghana-Guinée-Mali. Donc, l'opposition ghanéenne a décidé de rendre visite à l'opposition guinéenne. Nous les recevons demain et naturellement, nous allons connaître les raisons de ce déplacement. Je pense que c'est une visite d'amitié. C'est une première des oppositions. Les oppositions africaines doivent aussi se rendre visite, tout comme les chefs d'État, des gouvernements se réunissent, pourquoi pas, pour échanger des expériences dans la conquête du pouvoir. Dans les difficultés. Il y a souvent beaucoup de difficultés à faire accepter les revendications de l'opposition dans nos États. Peut-être qu'en échangeant nos expériences, nous pourrions chacun améliorer les conditions de la lutte que nous menons pour accéder au pouvoir et pour instaurer la démocratie et l'état de droit. Monsieur le Président, et bientôt la tenue des élections communales et communautaires, et comment l'UFDG se prépare? Vous savez que l'UFDG est un parti structuré qui est fortement implanté. Nous avons des comités de base, nous avons des sections, nous avons des fédérations. Actuellement, tout le monde est à pied d'œuvre pour préparer ces élections locales. C'est ça l'avantage d'avoir une forte implantation à l'intérieur du pays. On n'attend pas que la direction nationale vienne. Il s'agit d'abord des élections locales, donc nos gens sont concernés. Et nous avons au niveau des districts, nous avons des comités de base qui sont concernés, qui veulent naturellement rafler les postes au niveau des districts. Nous avons des sections au niveau des sous-préfectures qui ont envie donc de diriger ces préfectures-là. Et nous avons au niveau des communes urbaines, nous avons aussi là aussi des fédérations et des sections qui travaillent. Chaque structure est en train aujourd'hui de s'organiser pour préparer les élections. C'est d'abord les élections de ces structures-là qui veulent conquérir le pouvoir local et n'attendent pas grand-chose de la direction nationale. C'est une élection locale. Ça concerne les collectivités décentralisées, les districts, les quartiers, les communes urbaines et rurales. Monsieur le Président, vos relations sont un peu tendues. Je vais parler de l'UFDG, entre l'UFDG et l'UFR. Et quels sont vos rapports, en tout cas, particuliers, en tout cas, avec le président de l'UFR, Monsieur Sidi Touré, qui se trouve être le haut représentant du chef de l'État? Écoutez, les relations ne sont pas tendues, à de mon point de vue. L'UFR a fait ses choix après l'élection présidentielle. Elle a décidé de quitter l'opposition pour rejoindre la mouvance. Et donc, de ce fait, elle est devenue simplement un adversaire politique. Mais il n'y a pas une tension particulière, plus que celle qui existe entre le RPG et l'UFDG. Elle est dans la mouvance, l'UFDG est dans l'opposition. Donc, nous ne sommes plus dans la même mouvance. Et donc, on est des adversaires politiques, mais ce n'est pas une tension extraordinaire. Peut-être que il y a des malentendus ou des conflits par rapport au résultat du dialogue ou par rapport au rôle et à la place de l'UFR dans le dialogue. La question de la signature par l'UFR de l'accord politique, mais il n'y a pas de tension particulière. Monsieur le Président, on apprend que vous allez animer bientôt, très bientôt, un meeting. C'est pour dénoncer encore le pouvoir? Mais écoutez, soyez présents au meeting, vous allez savoir de quoi il s'agit. On veut avoir la... Ok, d'accord. Et Monsieur le Président, c'est la fin de cet entretien.